Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Foundation. Donc la dernière fois, on s'était arrêté, on avait construit notre jardin médicinal ici, qui va soigner beaucoup plus vite nos soldats. Et d'ailleurs, je vais aller voir où ils en sont. Ah, il faut qu'ils se reforment après une fois qu'ils sont blessés. Oh, c'est nul ça. Peu importe. Ok, donc voilà. Et j'ai essayé d'avoir une dizaine de citoyens, donc il faudra que je puisse faire 10 citoyens d'un coup, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Du coup j'avais augmenté une douzaine de serres en roturier, je crois. Tiens, il y en a qui manquent de maisons. Manquer de maisons. Pourtant j'ai de la place de partout. De la place de partout. Je sais pas trop ce que je vais faire du coup. J'en suis où là en extraction de bois? Ouais. Promotion disponible. Alors. Roturier. Citoyen. Ça m'en fait que 5. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc on va peut-être en passer encore. On va peut-être en passer encore roturier. Parce que je suis quand même à 53 roturiers. Et sur mes 53 roturiers, je peux en passer que 5 citoyens. C'est quand même pas beaucoup, non? Pourquoi il y en a un qui manque de l'habitation, ça je ne comprends pas des fois, alors que j'ai de la place, de partout, et surtout que là il doit y avoir pas mal d'attrait ici. Ici ça va être énormissime l'attrait qu'il va y avoir ici aussi. D'ailleurs, peut-être que je pourrais créer une zone résidentielle par ici. Hop. Voilà. Et là, affecter des gens. Hop. Sans emploi. Voilà. Ils sont 6. Serre. Parfait. Eux, on va tous les passer roturiers. On va tous les passer roturiers. Alors, ça on y met là. On regarde les promotions. On vient ici. Hop. Roturiers, on les trie par nom. Donc, coller. Coller. Giusta. Laborant. Théodésia et Théodric. Et Isémaï. Voilà, donc là maintenant normalement ils sont tous roturiers. Très bien. Hop, ça en fait 6 de plus. Peut-être qu'on va quand même en passer citoyen, non, histoire de débloquer des trucs un peu. Est-ce qu'on va débloquer des trucs en passant citoyen? Je ne sais pas. Est-ce qu'on passerait pas quand même les... Eux, je les passerais bien niveau au-dessus. Hein. Ils pourraient gagner des niveaux supplémentaires comme ça.
contre, ils vont avoir des besoins de luxe qu'ils vont pas pouvoir. Et même eux, ils vont pas pouvoir. Si je paye 1000 là, ça en fait 5. Bah, allez, on paye 1000. Ah, si, donc j'ai débloqué des trucs là. Donc j'ai débloqué des trucs là. Longue vie au butin, roi. Votre armée se développe fortement. Nous vous proposons quelques missions plus difficiles à partir de maintenant. Ok. Très bien. Donc maintenant. Voilà, ils sont passés niveau 1, mais en fait ils sont niveau au-dessus quoi. Ceux qui sont descendus niveau 1. Pas tous. Promotion. C'était quoi le message affiché? Fonderie d'or, fonderie de verre, atelier de geôlier sont maintenant disponibles. De joaillerie. Les anciens derniers, les nouveaux joueurs est arrivé. Hop hop hop, ok. On va attendre qu'ils soient formés entièrement. Tous, et on va tous les envoyer. Bah, par contre là du coup, sûrement que mes citoyens... vont avoir leur bonheur qui va descendre. Donc il y a une maison qui s'est modernisée normalement. Normalement les besoins vont descendre, ils vont construire des maisons et puis ça devrait aller. Le pain redescend de nouveau. Aïe aïe aïe, j'ai peut-être passé trop de monde roturier d'un coup. Et surtout que j'ai plus de farine. J'ai plus de farine, j'ai plus de blé. C'est la grosse dèche. Ah, oh, c'est déjà quand même mieux. C'est déjà quand même mieux. Bon. Ah, la bière, ça y va. Ah, la bière, ça y va. Alors, ce qu'on peut faire, c'est construire une auberge. Ou une taverne, je ne sais plus. Taverne. La taverne, ce serait pas mal. Il faudrait que ce soit assez centré parce que c'est à cet endroit que les citoyens vont... 4 citoyens ont manqué de maison. Ah! Alors attendez. Qui sont ces citoyens? Ces villageois? Mais donc je veux dire, mes citoyens, ils vont... Est-ce qu'ils ont besoin de maisons supplémentaires? Je ne sais pas. De maisons plus haut niveau? Je pense pas. Donc la liste. Bonheur. Tout en bas. Bonheur. Bon, les soldats seront très heureux. Teneur de marché, là. Teneur de marché, où? Ici. Pourquoi elle est pas heureuse, elle? Ah, elle manque de logement. C'est quoi ta maison? Eh ben, elle est bien niveau 2. T'as bien une maison comme ça, maintenant. Donc ça devrait être bon, non? Non, c'est pas bon. Ça ne te plaît pas. Je crois que ça ne lui plaît pas. Et eux, là, ils ont pas construit une maison par là, plutôt? Ah mais non, ils ont pas... Ah, je les ai pas montés de niveau, quel débile. Faut que je le fasse. Bah ouais, t'as une maison ici, donc normalement ça devrait être bon. Je ne sais pas, ça va descendre, ça, sûrement. 0,49. Mmh. Ça ne descend pas. Non, c'est bon. Récemment... Attendez, arrêtez de bouger. Arrêtez de bouger. Ça descend. Ça descend. Ok. Ça devrait être bon, ça remonte. Oui, 0,36, ça remonte. Ok. Pff, 211, je produis. Je suis à 163 ici. Est-ce que ça suffit? Je pense, sinon il me l'aurait dit. Là, je suis à 80, je crois. 80. Là, je suis à 40. 40, ça fait 120. 120 plus 50, ça fait 160. 170. Et là, je suis à 20, donc c'est bon. Je vais
peut-être agrandir un peu celle-ci. Parce qu'elle, je pense que celle là-bas est limite. Ah, celle-ci a l'air plus limite. C'est marrant. Bah on va éditer celle-ci. Hein. On va construire une extension en pierre. Comme ça. Hop, pour ajouter 10 places. Et dans celle-là. J'ai pas vu à combien on est monté, mais pour le moment on est bon, je pense, hein, au niveau de l'église. Le bois, faut que je vide mes stocks. Pouvoir produire. Ça c'est débile un peu. Ça c'est débile de pas pouvoir en faire quelque chose. De tous ces bois. Ok, deux villageois sont arrivés dans notre village. On va peut-être commencer à couper un peu l'immigration, non? Je suis à combien là de 200 métiers. Ouf, oui. On va attendre un petit peu là. Hop. Voilà. Ah, le pain va descendre à mort, et oui. Le pain va descendre à mort, mais devrait remonter. Peut-être qu'on va faire une autre ferme de blé. Ici. Là, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire une ferme de blé par là. Un moine s'approche de votre village. Que me veux-tu, le moine? Ouais, là, on peut faire du blé, là. Là, on peut faire du blé. Qu'est-ce qu'il va me vouloir, le moine? Ah oui, peut-être qu'il faut que je commence à faire des sangliers aussi. Ce serait pas mal. Par là, peut-être que si j'achète, je peux acheter ça, peut-être. Faire une forêt ici. Et chasser du sanglier. Parce qu'il me faut une forêt pour chasser du sanglier. Un moine requiert votre audience. Du bois, vas-y, je t'en donne du bois. Qu'est-ce que j'ai besoin? 20 roturiers. J'en ai bien 20 des roturiers. Ça j'ai déjà acheté. Ah oui, j'ai pas eu 20 de ça. Bonus commercial, tiens, hop. Ah, il me manquera un peu de ça, mais on va prendre le labeur. On va prendre. Bon, je vais aider mon peuple. Hop, voilà. Très bien. Donc on va essayer de remonter le blé encore. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il consomme trop de pain et pas assez de fromage. D'ailleurs, le fromage, on va peut-être augmenter les stocks. On va construire un grenier. Par ici. Hop. Là, il faut qu'il déboise bien tout ça, comme ça on sera tranquille pour faire une autre ferme en plus ici. Parce que là, le blé, la farine, c'est la dèche. On n'arrive pas à produire de farine parce qu'on produit trop de pain. Et ok, l'église rustique est terminée. Je voulais juste voir ça, où c'est qu'on en était. Ouf, ça en est plein, ok. Et la bière, on est pas mal. Je vais peut-être refaire une brasserie encore. La mission militaire est disponible, ils en sont où? Principalement formés, donc ils sont pas encore tout à fait formés. On va attendre un peu. Je pense que je suis en train de stagner en B parce que ça ne monte plus là. Je suis à 660, ça monte plus trop. Bon, ça c'est pas trop un problème, hein. Il suffira d'en remettre un par là ou par là.
Nouvelle mission militaire, on s'en fout. Ouais, il me faut, voilà, ma ferme de blé. Alors, la ferme de blé là. On va construire du blé tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Hop. Hop là. C'est pas mal comme zone là. Et on va signer 3 villageois. Par contre, je sais pas où ils vont aller habiter par là, peut-être. Promotion disponible. Métier. Non, je les trie par quoi d'habitude? Si, si, par métier. Donc les serfs. Ah tiens, j'ai un citoyen supplémentaire. Boum. Les serfs, paf paf. Pas les sans-emploi. Hein. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais aller commencer à faire de la production par là-bas? Enfin, par ici, du moins. Parce que je vais essayer de descendre mes productions par là. Là, il y a de la... il y a de la bouffe. Ça pourrait être intéressant. Construire un autre grenier, là. Deux baies. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les vêtements, ça monte. Le tissu, ça descend un peu. Ok. Je vais attendre encore un peu. Ouais, voilà, ils construisent une maison là. Ça doit être les trois là qui ont habité là. Teneur de marché, ouais, c'est ça. Ok, donc ici, je vais essayer de ne pas leur donner de pain. Voir si ceux qui habitent ici. Ah, ils mangent quand même du pain, putain. Pourquoi c'est leur truc principal, le pain? Pourquoi? Bouffer du fromage, bordel. J'en ai 10 fois de trop du fromage. D'ailleurs, en parlant de fromage. Clac, on va en stocker du fromage. Parce que le problème, c'est que ceux qui mangent du pain mangent aussi des baies. Mais une fois qu'ils auront plus de fromage, enfin une fois qu'ils auront plus de pain, est-ce qu'ils vont aller manger du fromage? C'est pas sûr ça. C'est pas sûr du tout. Pourquoi j'ai pas mis jusqu'au bord là? Jusqu'au bord, ça change rien mais. Assez. Ouais, même trop. Du houblon. On va faire une autre brasserie. Fonderie d'or. Produit des lingots d'or. À partir de minerai d'or et de charbon. Ah, c'est à ça que va me servir le bois plus tard. À fondre de l'or. Est-ce que je peux vendre des lingots d'or? J'ai bien assez d'or, tu me diras, mais... Je peux vendre des bijoux. Pourquoi pas, on verra. Les bijoux, ça doit être un besoin... Ça doit être un des besoins... Machin, non? Peut-être qu'on va commencer à extraire de l'or. En tout cas, on va faire une autre brasserie, ça c'est sûr. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai déblayé là, mais ça me sert à rien. J'ai plutôt envie de me décaler par là. 846. C'est tellement énorme. L'or, c'est assez facile, hein. J'ai affecté du monde là-dedans, moi. Oui. Pourquoi il ne sème pas? Peut-être la ferme repos. Pourquoi repos? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le pain descend à une vitesse folle.
J'arrive plus à produire assez de farine. Bon, on verra où ça va nous mener. Il me faut du blé. Il me faut du blé. Là, ici, là, il faudrait que je déblaye aussi le bois, là. Je pourrais faire une autre ferme, là, une dernière ferme. Bien que je commence à être loin de mes habitations. Lui, il est 8 à 80 mètres de son domicile. Ça commence à faire loin. Ça commence à faire loin. Bon. On va attendre que là, ce soit déblayé pour faire ici. Ce sera mieux que de s'éloigner encore. Sinon, on essaiera de faire autrement. Peut-être de déblayer tout là, là, le bois. Et acheter ici pour refaire une zone de collecte de blé ici. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, peut-être. On verra. J'avais dit que je vais peut-être collecter de l'or du coup. Est-ce que ce serait pas une bonne idée ça? Collecter de l'or là. Éditer. Mine d'or. Je peux mettre une mine d'or là. Un dépôt de ressources. C'est quoi le dépôt de ressources? C'est la grue. Catégorie dépôt de ressources, ouais, c'est ça. Bah donc le dépôt de ressources, on va le faire comme ça. Paf, on va en faire deux. Paf, on va mettre un petit chariot là. Une petite grue. Je sais qu'on peut mettre la petite grue normalement. Ouais, voilà. On va mettre là. Là. Clac. Un tas de pierres. Un tas de pierres. Ça va pour un tas de pierres. Commencer la construction. On va réactiver l'immigration. Parce que là on aura besoin de monde. Ok. Un émissaire requiert votre audience. Des baies, ouais, si tu veux, je t'en donne. Ouais. Alors ça. Donc le labeur, j'en ai plus besoin. Le clergé. Allez, on aide l'église. Boum. 200 pièces d'or facile, ça me sert à rien alors. Ok. Les vêtements, on est toujours bien. Ils vont pas jusqu'au bout, donc ça veut dire que cette zone leur suffit. Non, j'ai dit que je voulais déblayer là et faire ici. On va laisser finir déblayer la forêt là. Hop, la brasserie elle va se terminer tout doucement. Les baies, je sais même pas pourquoi je. Mange des baies, toi. Pourquoi il y en a qui mangent pas du fromage? Pourquoi il y a pas. Pourquoi mes gens n'aiment pas le fromage? Ça sert à rien d'avoir du. Produire du fromage si les gens ne mangent pas de fromage. Là j'ai pas signé de sans emploi. 2 ça suffira parce que de toute façon. Je pense que je vais me faire un autre stock de bois quelque part. Parce qu'il va falloir que je produise du charbon bientôt. Je vais peut-être me faire un stock de bois par là, parce que je vais faire sûrement mes mines ici. Un entrepôt de ressources. Je vais même sûrement avoir besoin de deux entrepôts de ressources ici. On va les faire ici. Hop, déjà. De bois. On
On va faire d'abord enlever ça là. Hop, mission militaire. Formée partiellement. Oh, je crois que c'est pas grave, hein. Ils vont y aller, puis c'est tout. Mission difficile. On va faire une mission facile déjà. Juste pour qu'il se fasse la main. En bonheur, on est bien. Promotion. Ah, oh, je peux pas faire des citoyens. C'est pénible. C'est pénible. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de roturiers qui n'ont pas leurs besoins satisfaits. Si je prends lui par exemple. Besoin d'église. Travaille à 92 mètres de son domicile. C'est un petit peu loin, mais ça le fait. Besoin comblé 100. Et ben pourquoi je peux pas le promouvoir lui? Ce roturier, pourquoi je ne peux pas le promouvoir citoyen? Je ne sais pas. Roturier. Ah, mais c'est peut-être ce que je disais. Cueilleurs, ils peuvent pas être citoyens les cueilleurs. Forestier, maçon. Maçon, tiens. Ah oui, les maçons. Meunier, boulanger, peut-être que c'est ceux-là qui... C'est quelque chose que je vais vérifier, tiens. Liste des villageois. Statut. Donc lui, c'est un citoyen. Ouais, boulanger. Fromager. Ah, c'est ça. C'est ça. Les citoyens, c'est que ceux qui ont ces métiers-là. Oh putain, c'est chiant. Ah oh, putain, c'est chiant. Donc les mineurs, teneurs de marché, tout ça, eux, ils ne pourront pas monter. D'accord. C'est donc ça que ça représente, ces trucs-là. Ok. Eh bien... Eh bien, eh bien. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis à ce qu'on va faire. Ah oui, je voulais voir un truc d'ailleurs. Ah mais je les vois pas là, les besoins de luxe. C'est dommage qu'on n'a pas un récapitulatif quelque part de... des besoins. Créer un chef-d'œuvre. Hein, pour commencer, c'est de bâtir une église particulièrement splendide une fois. Monastère. Ouais, faut qu'on fasse un monastère aussi après. Mais pour construire un monastère, il me faut des citoyens. Il me faut des citoyens. Bon, on va essayer de monter des roturiers qui ont des métiers intéressants. Genre pas lui, pas lui. Tailleur, si je crois que tailleur c'est bon. Tailleur, oui. Donc lui il est serre. Ah mais c'est à dire qu'il faudrait qu'il soit roturier. Faut que je monte toute la maison roturier. C'est chiant. Donc ça veut dire que dans tous les roturiers que j'ai montés,
Ah bah oui, parce que j'ai fait les fermiers, tout ça. Eh oui. Donc là, j'ai un soldat. Besoin de luxe. Ok, donc les besoins de luxe. Il est heureux quand même. Mais... C'est un soldat, il mange que du pain. On peut pas choisir là. Ils veulent pas bouffer du fromage, un peu bordel. C'est pénible ça. Fromage, on n'a vendu aucun fromage, on ne vend aucun fromage. C'est horrible. Bon, donc je disais dans cette maison, on a un forestier. Je crois que les forestiers peuvent monter au-dessus. Donc lui, on va le faire monter, roturier. Bailli. Bah sûrement que le bailli doit pouvoir monter, non? Bailli. Ah, bailli, ça fait pas partie du truc. On verra. Transporteur, non. Soldat, je sais pas. Fermier. Soldat. Soldat, chevalier. Ah oui, ça fait pas partie des... C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc cette maison n'est pas la bonne. Celle-ci peut-être. Transporteur non. Transporteur non. Transporteur, transporteur, bâtisseur. Ok, pas intéressant. Un soldat. Teneur de marché non. Non. Tailleur ni aussi. Pourquoi il y a une barre comme ça là? Teneur de marché non, ils peuvent pas être citoyens. Berger, bûcheron, non. Ils sont où tous mes boulangers? Là? Transporteur, boulanger, boulanger, transporteur, tisserand, transporteur. Donc là, ça en ferait 3 de plus. Dans cette maison, ça en ferait 3 de plus. Faut que j'augmente la désirabilité de la maison. Ça, c'est pas trop compliqué. On va mettre une petite arche là. Ça. Clac. Avec. Hop, un arbre décoratif ici. Ça devrait être bon là déjà, non? Non, ça suffit pas. On va mettre un autre arbre décoratif là, un autre ici. Paf. Ça ne suffit pas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Putain, le truc il est à côté d'une église. Il est pas loin du marché. Ouais, mais si je monte encore des roturiers, on va peut-être attendre de produire plus de reproduire du pain parce que c'est bien joli de produire du fromage et tout, mais on sait plus quoi en foutre de notre fromage. Et le pain. Le pain, c'est la dèche. Construction terminée, gisement d'or. Ah, très bien. Donc, là, je peux envoyer deux mineurs. Parfait. Ok, on va attendre de produire un peu plus de pain. Ce pain, c'est vraiment l'horreur, ce pain. C'est vraiment l'horreur, ce pain. J'ai l'impression qu'on produit pas assez de farine maintenant. Alors attendez, là, on peut signer un autre meunier. Voilà. Clac. Trop de ressources. Donc là, on va mettre deux personnes. Et là, on va mettre des lingots d'or. On va stocker des lingots d'or. Ouais, on va stocker des lingots d'or. Hop. Ça n'a rien de tête pierre, c'est même pas un vrai tête pierre. Allez-y, ramassez de l'or. Ok, donc ça fait une grosse demi-heure.
Donc on va s'arrêter là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de produire plus de baies. On va stocker masse de baies, mais vraiment masse, 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 pour jamais être... pour jamais manquer de bouffe. Parce que je comprends pas pourquoi ils ne bouffent pas de pain. Je comprends pas. Ah, produit de luxe. Voilà, ça y est. Donc on peut commencer à, dans les étals, dans les marchés, mettre des étals de produits de luxe. Donc par exemple, ici, hop, clac, ouf, un petit banc aussi, paf, ok, pareil ici, éditer, étals de produits de luxe. Gardez mes troupes avec vous. On va la mettre par là. Clac. Hop. Là-bas, pareil. Je suis pas sûr que j'ai des citoyens par là-bas. Possible. Oh là là, le pain, le pain, le pain. Moi, j'aimerais bien qu'ils mangent plus de fromage. C'est bête, hein. J'aimerais bien qu'il mange plus de fromage. Pouf. Hop. Bon, là-bas, j'ai pas de citoyen, donc ça sert à rien. Ok, donc elles ont chacune leur maison, quoi. Très bien. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, ok, j'avais dit qu'il fallait que je m'arrête. Donc on va s'arrêter là. Et donc sur ce... Ah, attendez, on a terminé le marché. On va juste affecter avant d'oublier. Là. Ah non, je peux pas vendre de la bière. Miel, herbe, gemmes, bijoux. Oh putain. Ah, on peut vendre des gemmes directement. D'accord, ce sont des produits de luxe directement, les gemmes. Bon, c'est bon à savoir. J'espère qu'on va trouver des gemmes là-dedans. Bon, on commence à produire de l'or déjà. Ah mais non, je me suis gouré en plus moi là, mais quel débile. J'ai mis des lingots d'or, alors que c'est pas des lingots d'or qu'on produit là. C'est du minerai d'or. Peut-être que j'ai pas besoin de stock de minerai d'or. On verra. On va quand même en mettre deux. Et là, des lingots. Ok, bon, on va s'arrêter là quand même. Hein. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao.